Bonjour. Bon, Voilà. aujourd'hui on vous prend dans la voiture. Nous sommes le samedi 7 janvier. Il est 10h30 passé et on va en direction de Action parce qu'en fait pour la soirée d'anniversaire de ma cousine, ce soir on va faire un carton, vous savez, avec plein de conneries dedans, etc. pour ses 40 ans. Et elle est fan de licorne, etc. Et j'ai vu à Action, ils faisaient des pinceaux en forme de licorne. En même temps, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres trucs. Mais bon, on va à côté, l'autre côté. Donc, je pense qu'on va faire un tour en os. Si tu veux. Non, c'était pas prévu. Moi, c'est bon, je suis. Donc après, ça se trouve, à Noël, je peux trouver 2-3 conneries en plus voilà, à mettre dans le colis. Donc, voilà. Donc là, on y va. Et après, quoi de prévu dans la journée? Je sais pas, en fait. Ouais, bon là il fait pas chaud, je veux dire il fait 3 degrés, mais ça va. On a l'air d'avoir des bouts de ciel bleu qui veulent sortir là, donc c'est cool. Ça fait, on dirait en face, t'as vu, on dirait que c'est pas de neige, mais bon, pas du tout. Ouais, c'est chouette, je vais vous montrer. Bah, regardez, ça fait comme si on avait des montagnes en face avec, avec de la neige dessus. Ah, moi je sais pas si vous allez bien voir. Mais vous voyez, le ciel il est quand même clair comparé à la dernière fois où je vous ai filmé. C'est quand même un peu mieux. N'est-ce pas, Jérôme? C'est un peu mieux que, ouais, que t'as filmé. C'est clair. Voilà, on est parti en direction de là-bas. Je ne sais pas si je vous filme ou pas, on verra bien. Et je vous dirai ce que j'ai trouvé en espérant trouver, parce que ce truc là chez Action, je le vois tout le temps. Mais c'est ce que je disais à Jérôme ce matin, il suffit que je le veuille pour qu'il soit plus court. Hein? Donc, si dans ce Action il n'y est pas, bah, j'irai dans l'autre pour essayer de trouver. Bon. Après, je croise les doigts. Quoi. Parce qu'après, il y a en queue de sirène, mais je ne veux pas la queue de sirène, je veux vraiment la licorne. Voilà. Comme je vous dis, c'est toujours le truc que vous cherchez, que vous voyez tout le temps, et quand vous voulez, vous ne le trouvez pas. Donc, t'as fait la terre, moi, le noir, de terreau. Ouais, moi, je pense que c'est vrai. Ah ouais? Putain. Donc, voilà. Bon, allez. Bon, il est presque midi, il est midi moins 5, je pensais qu'il était 11h05. Je lui dis non, il est midi. Bon, il est déjà midi, on est sorti, on a trouvé plein de trucs. Je vous montrerai après, sur le thème de la licorne, même la femme à la caisse de noix a dit ah, mais il y a une petite fille qui va être contente. Ah non, c'est pas pour une petite fille. Donc on a trouvé plein de bêtises. On a pris aussi un papier cadeau à un petit peu bébête, voilà, à Action, et j'ai trouvé la petite truc que je voulais à Action, donc c'est cool. Je pensais au début pas la trouver, et j'avais vu que les trucs de sirène, et en fait c'est bon, on l'a trouvé, on la prend en rose, voilà. Et écoutez, j'espère que ça va faire l'affaire, on a trouvé plein de trucs, hein, licorne. Ah oui, franchement, là, on était pas parti pour trouver tout ça. Ouais, à Noz, il y avait plein de petits trucs licorne, même j'ai même pris un coloriage avec des feutres et tout, voilà. Et je vous montrerai ça de toute façon en rentrant. Donc là on est sur la route, il fait super beau. Franchement, ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu un temps comme ça, ça c'est cool. Et il fait bon là maintenant. Oui, il fait... Bon, il fait 7. Il fait 7, mais avec le soleil qui tape, franchement ça va. Donc c'est plutôt cool. Donc là on va rentrer, puis après on verra bien ce qu'on va faire. Bon, ça y est, on est rentré la team. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris pour ma cousine. Et 2-3 bêtises, et après le reste, ça sera sur mon autre chaîne. Alors, Jérôme s'est trouvé des CD encore. T'en as pris 2 ou 3, t'en avais pris 3, je crois. Alors, je sais pas ce que c'est, à lui de vous le dire. C'est des musiques de house et tout ça. Quand je bricole. Non, je trouve pas le programme. Ou alors, j'en ai pris 2. Non, je croyais que j'en avais pris 3. Il est dessous le tas là, derrière ton coffre. Ah oui, d'accord. Alors, il s'est pris I Need House, comme ceci. Alors, 1,99 le CD. Il y en a... Enfin, le CD, il y en a 3 dedans, ouais, quand même. Il y a Garage, ben voilà, pour son garage. 99 centimes. Et là, il y en a 4 dedans. Ouais, donc 4 ça fois... Ça vaut le coup, quoi. Il y a 4. Et celui-là aussi, 99 centimes, pardon, c'est Child House Classic. Et dedans, il y en a 3. Voilà, donc là il a de quoi faire. Hein. Ouais. J'ai envie de vous dire, le temps qu'il écoute tout. Donc il a pris ça. Après, tu il m'as s'est pris. Pris oui, enfin, t'as choisi quoi. C'est moi qui ai pris, mais on s'en fout. C'est toi qui as pris.
Il s'est pris ça à 1,99€, alors c'est pour tracer des lignes. Des courbes et tout. Des courbes. Et sur quoi en fait? Non, mais quand je vais faire de la tôlerie, des trucs comme ça peut Voilà, bon servir. donc c'est pour faire des courbes, etc. etc. C'est comme un trace-lettre, hein, vous savez, un petit peu. Donc voilà, donc il s'est pris ça. Et pour ma cousine, alors à Action, je lui ai trouvé en fait, c'est ça. Vous savez, la petite truc pour se maquiller en fait. C'est un truc tout bête, hein, voilà, en licorne. On lui a trouvé un sac licorne, comme ceci, à 3,99€. Donc voilà, c'est vraiment pour la bêtise. On a trouvé un petit squishy comme ceci à 1,99€. C'est des trucs un petit peu mous. Voilà, après, c'était pas donné hein, quand même. Ça a vachement augmenté quand même, non, ça, je trouve. Hein. Parce que bon, le squishy, comme ça, je sais qu'à l'époque, j'en achetais à Elia des un peu plus grands. Ils étaient qu'à 99 centimes. Même ça, on a trouvé un coloriage comme ça, emoji, en licorne. Il vaut 2,20 € quand même. Pas donné hein, pour cette petite merdouille. Ouais. Parce que dedans, il y a 10 figurines pop-up, 50 stickers et 5 feutres. Donc voilà, c'est toujours pour la connerie. Donc là, je vais laisser Jérôme enlever les étiquettes jaunes. Tiens, ça occupera. Et j'ai trouvé un superbe agenda. Par contre, elle pourra s'en servir. Il est super joli, je trouve. Magical Plants. Et en plus, il est de 2023, là, de cette année 2023-2024. Et dedans, il est vraiment, il est bien fait, quoi. Il est sympa, donc elle va pouvoir s'en servir. Même si c'est une bêtise, voilà, c'est une bêtise qu'elle pourra se servir. Et voilà, il y a des petits coins comme ça. Enfin, voilà, je le trouve vraiment sympa. Donc, écoutez, voilà. Donc voilà les petites bêtises qu'on a trouvées en licorne. T'as déjà enlevé? Non, je suis en train de le chauffer. Tu chauffes comment là? Donc le café? Il a posé le truc. Genre il a posé ça comme ça, j'ai dit que ça chauffe. Ah ok, d'accord. Voilà, après le reste, ça sera pour ma chaîne de scrap parce que c'est Grâce à des moi. trucs de scrap ouais, de Tim Holtz pour celles qui connaissent. Voilà, ça valait le coup. Donc là, on est en train de boire un café. On est en train de boire un café, après on va manger. Il reste de toute façon le gratin d'hier. Donc ça ira très bien. Cache ta joie. J'ai eu sa tête quand j'ai Je raté l'ai le fait gratin. exprès, je l'ai fait exprès pour la faire râler, justement. Voilà, et puis bon, ça ira très très bien. Là, elle est en train de, je sais pas, s'habiller, je crois. Et j'ai trouvé un petit truc à Elia aussi de chez Undiz. Tu l'as rangé ton truc Undiz, Elia? Il est rangé dans le placard? Non, du tout. C'est vrai? C'était pour leur montrer? Bon, attendez, je vais vous montrer. Attention à l'arrêt. Ça m'étonne qu'elle ait rangé dans le placard tout de suite. Mais bon. Mais non, mais moi je veux juste ton truc. Je veux pas que tu te montres toi. Donc en fait, j'ai trouvé un truc Undiz, un genre de pyjama. Un genre de pyjama où il y a marqué une meuf parfaite ou un truc comme ça. Tu me le passes? Merci. Bon, hop, je me mets là, par terre. Donc c'était dans une boîte comme ça et il y avait une réduction de moins 60%, 65% en décote de 20 €. Donc ça valait le coup. Après je regardais, il y a des femmes, des filles qui ont trouvé des trucs super sympas de Undiz en Disney et tout. Et là-bas, nous, il n'y avait rien. Et voilà, vous voyez, c'est marqué meuf parfaite comme ça, en petit peu violet, avec un petit short comme ça. Moi, j'ai trouvé vraiment super joli. Donc je lui ai pris, voilà, pour un petit pyjama. Bon, après, quand il fera un peu plus doux, elle pourra le mettre. Et moi, je trouvais ça sympa. Voilà. Donc, je lui ai pris ça à Elia en plus. Donc, voilà. Bon, hop, je vous laisse. Moi, je vais aller boire mon café. J'ai jusqu'à qui est monté, là. Arrivez-vous? T'es avec maman? Oui, mais Elia, elle s'enferme. Donc, moi, je vous laisse. Je vais boire mon café et je vous reprends après pour le reste de la journée. Bon, je vous reprends un petit peu la team. Il est 3h30. Pour vous dire un petit peu ce qu'on fait, en fait, on fait rien. On a mangé vite fait, il était tard, hein? On a mangé, il devait être 13h, un truc comme ça. Elia, elle s'est fait un petit sandwich parce que là, il y a peut-être 5-10 minutes parce qu'elle n'avait pas faim, elle a déjeuné super tard. Là, Jérôme se regarde un petit truc sur des voitures, là, un truc canadien, je sais pas ce que c'est. Et moi, je viens de faire un haul, le haul Noz sur mon autre chaîne, l'action, je pense pas que j'ai le temps parce qu'il est déjà 3h30. Donc là, je vais tester le vernis, là, comme ça, là. Donc, je vais le faire un petit peu avec vous, comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Moi, je le trouve pâteux. Donc, on va voir ce que ça donne. Et, parce que vu qu'il est déjà 3h30, il va peut-être falloir s'exciter. Bon, on a rendez-vous pour 7h30, c'est pas très, très loin, mais bon, après,
Voilà, le temps de se préparer. En plus, il faut qu'on passe tous à la douche, le temps que, hein. Il y en a pour un petit peu. Le temps que Jérôme, il se prépare. Hein? Monsieur? Il s'en fiche aujourd'hui, il n'est pas avec moi. Il n'est pas là. Donc, c'est les vernis que je vous ai dit que j'ai reçus hier, je crois. Voilà. Donc, du coup, moi, je les trouve bien pâteux. Alors, après, je sens que je vais galérer à les enlever. Alors, est-ce qu'ils s'appliquent bien ou pas? On va voir ça. Verdict. Je les trouve vraiment. Alors, la marque, c'est Born Pretty. Moi, et mon anglais, hein, ça fait deux. Voilà. Comme ceci, la boîte. Donc, ceux-là, je les ai pris sur Amazon. Et allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Alors après, ouais, ça fait pâteux, mais ça va. Hein. Alors après, il faut mettre deux couches, hein, je pense. Je sens que celui-là, à enlever, ça va être une horreur. Par contre, il brille bien. Voilà, regardez, pour la première couche, alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc première couche déjà, donc après je vais mettre une deuxième couche. Par contre, il est vachement brillant quoi, c'est waouh. C'est pas comme un vernis à paillettes que vous achetez. Moi j'aurais voulu, alors si vous savez où est-ce qu'on peut trouver genre un vernis genre diamant là, comme si c'était vraiment des paillettes, voyez, super fines en fait, comme on peut trouver... dans les paillettes qu'on achète, genre à Action, là, les mini paillettes, quoi, vraiment toutes petites, très très fines. Alors, je sais pas comment ça s'appelle ce vernis. Donc, là, écoutez, moi je vais mettre déjà la première couche, on va voir ce que ça donne. Par contre, vous voyez, il est très très. Il fait très pâteux. Il fait très pâteux. Mais voilà, même limite, on pourrait mettre qu'une couche, hein, ça fait. Vous voyez, déjà ça brille. Si je mets une deuxième couche, ça va être encore plus. Plus brillant. Tu veux voir ce que ça donne, première couche? Je pense que même une couche, ça suffit. Ça reste léger. Ça se voit, mais regarde. Là, ça fait pas du tout comme là, en fait. C'est pas mal, c'est sympa. Je crois que j'ai pas pris le bon, en fait. J'ai pris le multicolore. Je voulais prendre l'argenté. Je viens de prendre le multicolore. Bon, mais c'est pas grave, on va faire avec celui-là. Bon, écoutez, je vais essayer de le mettre sur tous les doigts, hein, et je vous montre après ce que ça donne. Bon, on se retrouve 3 quarts d'heure après. Donc finalement, j'ai mis qu'une couche, vous voyez, comme ceci. Mais alors, bon, c'est du vernis gel, mais j'ai galéré à le faire sécher. Même avec ma lampe UV et tout, là, ça commence à sécher. Mais donc j'ai mis du top coat dessus, séchage rapide. Mais alors, ça a été une galère pour le faire sécher. Alors, soit c'est ma lampe UV, elle est vieille aussi, ma lampe UV. Alors, qui n'est pas au top niveau et qui ne marche pas très très bien. Mais la galère pour le faire sécher. Mais maintenant, ça a l'air d'être sec. Et par contre, le rendu, je ne sais pas si vous allez voir. Mais il est vraiment trop joli. Ça brille et tout ça. Alors, j'ai mis qu'une couche. Parce que je ne voulais pas un effet vraiment pâté, paillette. Donc, ça fait un effet, voilà, pailleté. Mais on voit quand même un petit peu les ongles dessous, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec... avec le téléphone. Mais bon, le rendu, il est beau. Et moi, j'aime bien, il est joli. Voilà. Donc, hein, 3 quarts d'heure plus tard, j'ai sorti la lampe UV. C'est une grosse lampe que j'ai. Mais je vous dis, ça fait un bail. Et ça se trouve, ben voilà, elle n'est pas assez puissante. C'est une 35 watts que j'ai. Alors, je ne sais pas. Alors, celles qui connaissent, dites-moi. Ou alors, dites-moi, pour les poses en gel, ce qu'il faut pour mettre. En fait, ça se trouve, il faut un produit dessus. Enfin, j'en sais rien. Moi, je suis pas... Je suis pas, j'ai pas ce qu'il faut forcément pour les vernis en gel. Voilà. Là, je vais me faire un petit café, moi. Jérôme, il est en train de dormir. Il ronfle. Je l'entends ronfler d'ici. Donc moi, je vais me faire un petit café. Je sais pas s'il en veut un ou pas. Marmotte, tu veux un café? Merci. Non? Tu veux un café toi aussi, Marmotte? Il dort son canapé. Il y en a une. Je vais vous dire qu'elle le colle. C'est qui ronflait? C'était Bibou? C'était Bibou qui ronflait? Bon, alors il n'en veut pas. Moi, je vais me faire un petit café. Et après, on va commencer à aller aux douches parce que, ben, il est déjà 4h15, mine de rien. Ça passe vite. Ça passe vite. Ça passe vite. Ben, je vous dis 3 quarts d'heure pour faire le truc là. C'est un peu long. D'ailleurs, je vais montrer à Jérôme maintenant, une fois que c'est sec. Il l'a pas vu. Alors, Ouais. ça brille, t'as vu, mais c'est pas
Ça fait pas pâté quoi. Non, c'est bien. Salut Bibou. Elle s'en fout, elle. Elle s'en fiche. Bon, voilà. Alors, un petit café. Là, après, je sais pas qui c'est. Elia, je pense qu'elle va aller à la douche en prompt. J'ai tout en train de tomber. Elle va aller à la douche en premier. Et parce que là, elle est déjà à 4h30, comme je vous dis, ça va être vite. Ça va passer vite après. En plus, on va partir un petit peu avant, parce qu'il faut mettre de l'essence. Là, je mets les sucres comme ça qu'on a reçu de la Dégustabox. Là. Vous savez, les petits sucres. Là. Et Jérôme, tout à l'heure, il me dit « Ouais, t'as voulu me tuer et tout. Tu m'as mis un morceau de verre dans mon café. » Tiens, regarde, c'est ça, les sucres. Pour te montrer, regarde, prends-les. C'est des morceaux de... Tu sais, c'est des sucres candy, là. Donc, en fait, il avait un petit morceau comme ça. Il a cru que j'allais le tuer avec un morceau de verre. En fait, non. Bon, allez, je vous laisse. Je finis mon café et je vous reprends. Bon, je reprends la team, il est 5h15. Du coup, on n'avait pas d'enveloppe pour mettre les sous qu'il faut aller dans l'urne, quoi. Qu'il faut aller dans la... C'est pas français ce que je viens de dire. Hein? Non. Non, mais t'as l'habitude. Donc, j'ai fait une petite carte sur le même thème, vous voyez, avec, comme ceci, avec des licornes. Donc là, on va marquer nos petits mots et en même temps, je lui ai fait pareil, j'ai décoré un petit peu l'enveloppe. Comme ça, on reste dans le même thème. Là, Elia, normalement, elle est en train de prendre sa douche, je crois. Et après, ben, nous aussi, on va y aller. Et puis, on va commencer à se préparer. Je suis à l'arrache complet. Je suis complet. On va commencer à se préparer aussi. Et puis, voilà, parce qu'il est déjà 5h15. Mine de rien, ça passe vite. J'ai mis... Ouais, presque une demi-heure à faire la carte quand même. Même si ça paraît rapide, ouais, ça prend quand même du temps. Mais bon. Bon, alors, ouais, je voulais vous montrer juste cette carte. Jérôme se fait un café pour se réveiller. Et après, on vous montrera comment on est tout beau, tout pailleté. Bon, la team, il est 6h20. On est prêt. Des boucles d'oreilles jusqu'aux paillettes. Je sais pas si vous allez voir sur le visage. Voilà, et ça c'est la robe que j'avais aussi pour le 1er janvier la dernière fois. Je vais vous montrer, il y a Jérôme quand même. Vous venez, hein, vous montrer. On a plus de lumière dans cette maison. Alors déjà qu'il fait nuit habituellement. Alors, Jérôme, on a eu du mal à trouver, mais on a trouvé cravate, vous savez, à paillettes comme ça, là, à la foire fouille. Pareil, voilà, la classe à Vegas. Et il y a, du coup, c'est sa robe qu'elle avait trouvée à... H&M. H&M. Et donc pailleté aussi de partout et donc avec le sac elle pailletée comme ceci. Voilà, on va se prendre en photo, je pense que c'est la première fois où on est assez aussi classe, je pense. Non? Oui. Cache ta joie. Hein. Il est heureux, hein. Là il est heureux, je sais pas pourquoi ça fait ça. Là. Non, voilà. T'es prêt toi, t'as dormi tout ce qu'il fallait dedans? Oui. Bon, mais nous là il est 6h20, on va essayer de prendre une photo comme on a fait l'autre fois là. Oui. Et là, on va décoller, il faut qu'on mette de l'essence, il faut que je retire des sous, et puis après, on y va, quoi. De toute façon, comme je vous ai dit, on n'est pas très très loin, donc voilà, après, je ne sais pas si je vais vous reprendre après, on verra bien, donc soit j'arrête là le vlog, en espérant qu'il vous a plu, ou soit on vous reprendra quand on rentrera pour vous dire comment s'est passée la soirée, donc là, vous voyez les belles têtes, et la fin de soirée, à mon avis, ça va être, alors moi, j'espère que mes vertiges ne vont pas m'enquiquiner, parce que je les ai encore un petit peu, là. Et il y a Bibou qui fait la tête là-bas parce que bah, elle sait qu'on va la laisser toute seule. Donc voilà. C'est chiant ce carré blanc là. Voilà, je reprends parce que j'avais le carré blanc du flash et je vois pas trop où je filmais. Donc c'était un peu chiant. Bon. Voilà, bon, mais écoutez, nous on va mettre aussi les chaises sur le canapé. On va laisser une lumière pour Bibou. Voilà, qu'elle soit pas dans le noir. Et puis on vous dit à tout à l'heure. Bon, la team, on vous reprend. On vient de rentrer. Il est 5h06 exactement. Jérôme, il est là. Bah écoutez, on a passé une bonne soirée. En repas, on a mangé de la paella. Voilà, paella. Alors moi, j'aime pas trop la paella. D'habitude, je prends celle de mon bof. Et lui, il a fait bien et tout. Et ben moi, j'aime bien. Mais celle-là, finalement, elle était bonne aussi. Donc voilà. Donc bah écoutez, on a bien dansé, on a bien mangé. Voilà, tout était nickel. Allons.
Donc on retrouve notre pibou. Donc là, on va aller se coucher. Donc la dernière fois, on vous a dit, ouais, ça fait longtemps que c'était pas couché à 5 heures du mat. Et là, en fait, ça va faire deux fois d'affilée en même pas une semaine. Bah, en une semaine. La dernière fois, c'était le 1er janvier. Ouais. Donc la semaine dernière, 5 heures. Là, 5 heures, impeccable. Donc là, on va aller se coucher, on va aller se reposer parce que demain, on a pas mal de choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une friferie déjà. Ah, mais elle a même fini ses croquettes. Elle a fini ses croquettes. Bon, du coup, bah, écoutez, on va aller se coucher. Nous, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. On vous dit à demain. Peut-être, ça dépendra de la journée parce que vu l'heure qu'il est, ça se trouve, il n'y aura pas trop de vlog. On verra bien ce qu'on va faire demain. Normalement, c'était prévu le sapin, etc. Mais là, c'est pas sûr. Enfin, on va essayer quand même de le faire. Et hop, ma cousine, ça lui a plu les cadeaux, je pense. Après, elle avait tellement de trucs à ouvrir dans les cartons. Elle avait le carton qu'on nous on avait fait en fait tous ensemble. Et elle a une super amie à elle en fait qui en avait fait un. Elle a ouvert combien de paquets? Plein. Elle en a ouvert au taquet, franchement, au taquet. Donc voilà, elle, je pense qu'elle les découvrira mieux demain. Parce que ben voilà, elle ne pouvait pas découvrir. Franchement, je ne pourrais pas vous dire combien elle a ouvert de paquets tellement qu'il y en avait. Donc voilà, je pense qu'elle découvrira mieux toute seule demain. Donc écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain, j'espère. En attendant, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes, protégez-vous. Et Elia et Jérôme ne vous diront pas parce qu'ils ne sont pas à côté de moi. Donc, en attendant, bisous, bisous.